Excellences, Monsieur le Président de la République, je suis très heureux et honoré d'assurer la modération de cet entretien que vous avez bien voulu accorder à la presse nationale. Ici représenté par RTS1, e-radio, CNEWEB et Le Soleil. Monsieur le Président, Excellences, nous sommes à 4 jours du 25 février 2024. Et les Sénégalais ne voteront pas ce jour. Les motifs, pour faire court, dès la validation des parrainages par le Conseil constitutionnel, on a noté une série de contestations de candidats dits spoliés de leur parrainage. Par la suite, le 20 janvier, le Conseil constitutionnel a validé la liste définitive avec 20 candidats. Un candidat invalidé pour fait de binationalité. À la suite de cette invalidation, il y a eu une levée de boucliers et des accusations contre le Conseil constitutionnel. Une commission d'enquête parlementaire mise sur pied pour élucider ces questions. Ensuite, coup de tonnerre, on découvre qu'une candidate parmi les 20 sur la liste validée avait une double nationalité. Le vendredi 2 février, le bureau de l'Assemblée nationale vous saisit d'une proposition de loi constitutionnelle pour le report de 6 mois de l'élection présidentielle. Le samedi 3 février, dans un message à la nation, après avoir pris acte de la proposition de loi du bureau de l'Assemblée nationale, vous prenez la décision d'abroger le décret convoquant le collège électoral pour le 25 février 2024. En conséquence, le processus de vote de la proposition s'est poursuivi à l'Assemblée nationale. Le lundi 5 février, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Ce qui veut dire simplement que l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024 est reportée au 15 décembre 2024. Vous avez aussi eu le jeudi 8 février des députés de l'Assemblée nationale et des candidats à l'élection présidentielle déposent un recours pour attaquer la loi et le décret devant le Conseil constitutionnel. Le jeudi 15 février, Excellence, le Conseil constitutionnel décide que la loi votée était anticonstitutionnelle et a annulé en même temps le décret abrogeant celui convoquant le corps électoral. Enfin, dans ses considérations, le Conseil constitutionnel a constaté que l'élection présidentielle ne pouvait se tenir à la date initialement prévue et à inviter les autorités compétentes à l'organiser dans les meilleurs délais. Le vendredi 16 février, un communiqué de la présidence de la République mentionne votre engagement, je cite, « à faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel ». Aujourd'hui, les Sénégalais sont dans l'attente de la suite des événements, notamment la nouvelle date de l'élection présidentielle. Vous avez aussi annoncé des concertations avec les forces vives de la nation. Votre mandat court jusqu'au 2 avril. Aujourd'hui, les Sénégalais attendent des explications, que vous fassiez la lumière sur ces faisceaux de faits. Et je suis avec mes frères et consoeurs du Soleil, de la RTS, de e-radio et de CNEWEB. Cet entretien est diffusé en direct sur toutes les plateformes de la RTS, naturellement sur e-médias et CNEWEB, mais un signal clair sans logo est disponible sur le canal 5 de la TNT et sur le canal 215 de Canal 7. Excellence, vous avez la parole.
Je vous remercie, M. Racine Talla, tout comme je remercie vos confrères et consoeurs du Soleil, de RTS, de Imedia ou Iradio et de Sénéweb. Et je voudrais surtout remercier nos compatriotes d'ici et d'ailleurs pour ce moment de communication important dans la vie de notre nation. Je vous remercie pour le rappel chronologique que vous avez fait depuis le début du processus électoral, surtout dans sa phase validation des parrainages, validation des candidatures et tout ce qui a suivi depuis lors. Donc, je n'aurai pas besoin, outre mesure, de revenir sur ces faits qui ont été les causes, en réalité, de ce qui est arrivé par la suite. Ce qui est arrivé par la suite n'étant que la conséquence des causes que vous aviez bien indiquées. Alors, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je voudrais d'emblée remercier mes compatriotes qui m'ont fait confiance. Depuis 2012, j'ai été élu à la tête du pays pour un mandat de 7 ans, renouvelé en 2019. J'ai prêté serment, en effet, le 2 avril 2019, ce qui fait que le 2 avril 2024, sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, qui n'a pas lieu d'être, mais comme malheureusement dans notre pays, tout le monde est expert en tout et qu'on a voulu non seulement me faire un procès sur des intentions de faire un troisième mandat. Ce troisième mandat, on a vu que je n'en étais pas candidat. On a dit que je voulais rester à la tête du pays et j'ai dit ici très clairement et très nettement que le 2 avril, ma mission se termine à la tête du Sénégal. Au moins, il faut que cela soit très clairement étayé. Maintenant, le reste du débat, nous pourrons revenir au besoin sur les différentes étapes par rapport à l'ensemble des aspects que vous venez d'évoquer. Merci, Monsieur le Président de la République. Donc, je demanderai donc à mes confrères et consoeurs de bien vouloir leur poser leurs questions. Madame Mariama, et chacun déclinera son identité et l'identité de son organe de presse. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir. Je suis Mariama Dramé, journaliste présentatrice à la RTS. Alors, Son Excellence, je pense que vous m'avez marché sur la langue. Vous avez à peu près répondu à ma première question, vu que la date du 2 avril, tout le pays reste suspendu à cette échéance. Cette date correspond à la fin de votre mandat, vous l'avez dit, à la tête du Sénégal. Que comptez-vous faire à l'expiration de ce délai? Ensuite, Monsieur le Président, quelle serait la date que vous préconisez pour la tenue de l'élection présidentielle? Alors, comme je vous l'ai dit, ayant prêté serment le 2 avril 2019, le 2 avril 2024, boucle les 5 années calendaires. Donc, c'est la fin du mandat. Et moi, je compte m'en arrêter à ce mandat. Et je compte donc, après le 2 avril, quitter les fonctions de président de la République. Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Ça, le dialogue qui vient devra certainement trancher ou proposer si un consensus peut être obtenu sur la suite. C'est souhaitable, je le souhaite. Je souhaite que les acteurs qui doivent se réunir autour de moi pour regarder l'intérêt supérieur de la nation dans ce contexte bien particulier puissent regarder ce qui et comment nous le allons enjamber. Mais ça, j'écouterai ce que le dialogue dira, et après le dialogue, certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené aussi à clarifier. Puisqu'en réalité, n'eût été le débat ambiant, la Constitution a réglé cette question. Mais comme tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur l'article 36.2, il appartiendra en dernier ressort au Conseil, après toutes les interprétations, de dire voilà ce qui doit être fait et tout le monde devra s'accorder sur cela. Mais en ce qui me concerne, encore une fois,
il n'a jamais été question de dépasser le terme de mon mandat constitutionnel, malgré les procès d'intention. Alors, donc, je m'en tiens à cela et je le dis très clairement et très solennellement, le 2 avril, j'ai terminé ma mission à la tête du Sénégal. La suite, on verra comment... Pour ce qui est de la date, on verra avec le dialogue qu'est-ce que le dialogue proposera. Monsieur le Président, Alassane Samba Diop de Emeka. Quand est-ce que la date de l'élection présidentielle va se tenir? Est-ce qu'avant le 2 avril, il y aura une date retenue pour aller aux urnes et choisir votre successeur? Vous savez, il y a eu un problème. Nous traitons ce problème le 25, on serait allé au vote. Si on avait voté le 25, il est clair qu'avant le 2 avril, tout le processus électoral allait être terminé et donc il n'y aurait eu aucune difficulté à ce que le nouveau président élu à partir du scrutin du 25 février puisse prêter serment le 2 avril. Maintenant, nous ne sommes plus dans ce cas. Le Conseil l'a clairement dit après avoir annulé la loi et le décret qui était pris sur la base de cette loi. Donc, le Conseil clairement a indiqué aux autorités compétentes, en premier chef le président de la République, que c'est lui qui doit prendre le décret convoquant le collège électoral et fixant le décret fixant la nouvelle date. Mais ce décret ne peut être pris avant que la concertation nationale ne se réunisse. Et j'ai convoqué cette concertation nationale le lundi. Et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait, entre lundi et mardi, terminer, puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. Donc, c'est des sujets qui peuvent être simples si les gens mettent en avant l'intérêt supérieur de la nation, dès lors que la participation du président, sa prolongation à la tête du pays n'est plus en jeu, et ne l'a jamais été d'ailleurs. Si on trouve ce consensus, moi je prendrai le décret immédiatement pour fixer la date. Si le consensus n'est pas trouvé, je renverrai l'ensemble au niveau du Conseil constitutionnel en ce moment qui avisera. Si je comprends bien, le 2 avril, vous allez passer le pouvoir à votre successeur si la date a été retenue pour les élections présidentielles, pour la présidentielle. Il ne peut y avoir de successeur tant qu'il n'y a pas d'élection. Oui, bien sûr. Clairement, il faut qu'il y ait une élection. Est-ce qu'il aura lieu avant le 2? Que le processus électoral arrive à terme et qu'on élise un président de la République, qu'il entre en fonction, c'est-à-dire qu'il prête serment devant le Conseil constitutionnel. En ce moment, il fait la passation. Mais ça, si c'est avant le 2, si on arrive à le faire avec des mécanismes dont, qu'il faut trouver, parce qu'il y a quand même le code électoral, il y a un certain nombre de lois qui définissent des termes, il faut peut-être trouver le mécanisme de passer outre. En ce moment, oui, il serait possible que moi je passe le témoin au président élu, ou en tout cas, si le processus ne finit pas aussi et qu'il y a un second tour, le président élu passera, prendra le témoin du président qui fera cette transition entre le 2 avril et la date de l'élection et l'installation du nouveau président. Parce que la contestation au niveau des... Contestation. Oui, juste une petite question pour préciser. La parole est partagée, Monsieur Alassane Samba Diop. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure lorsqu'on préparait l'émission, cette première série de questions est consacrée à la fin du mandat, le 2 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Yaham, vous avez la parole. Merci, Racine Tala. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Bonsoir, Yaham. Monsieur le Président de la République, nous sommes le 22 février 2024. Au 2 avril, il se passera 40 jours d'ici là. Est-ce que pensez-vous, croyez-vous qu'il soit possible qu'en 40 jours, qu'on puisse organiser un dialogue, s'accorder sur quand et comment tenir la présidentielle pour qu'au lendemain du 2 avril, c'est-à-dire le 3 avril, qu'il n'y ait pas un vide? Un vide que tout un chacun peut appréhender. Vous savez, en ce moment précis, il ne m'appartient pas de dire voilà la date tant que les forces vives. Et parmi ces forces vives, vous avez les candidats. Il y a plusieurs types de candidats. Nous avons
la série des candidats déjà validés dans le processus antérieur, la série des candidats dits spoliés de leur parrainage qui ne sont pas d'accord et d'autres qui ont été éliminés. Ça, ce sont les premiers acteurs. Les autres acteurs, ce sont les partis politiques, la société civile, les religieux, comme nous avons toujours considéré ce qu'on a appelé les forces vives de la nation, et qui, à chaque fois, le secteur privé, d'ailleurs, les syndicats et autres. Mais lorsque ces assises vont se tenir lundi, on verra, compte tenu du contexte et du risque de vacuité après les deux, que les gens mettent en avant encore une fois la République, le pays, sa stabilité, pour voir est-ce qu'on peut d'ici le 2 finir le processus. Je ne le pense pas, mais c'est pas ce qui est essentiel. Mais pour le faire, par quel moyen il faut passer? Parce qu'il faudra passer par des raccourcis si on veut tenir absolument à faire l'élection avant le 2. Il y a le code électoral qui fixe des délais, c'est la loi, ce sont des délais légaux. Alors, tout cela nécessite justement ce dialogue. S'il y a un consensus au cours du dialogue, mais le consensus va prévaloir. En ce moment, on pourra passer outre les lois qui fixent les délais. Si le dialogue indique par contre qu'on ne doit pas se précipiter au point de faire des erreurs et d'aboutir à une élection qui peut aussi avoir des retards, en ce moment aussi, dans des délais les meilleurs, ils fixeront la date de l'élection. Ils indiqueront les propositions pour la date de l'élection. En ce moment, si c'est un consensus, là aussi, le président il fixe par décret rapidement. Je veux faire la dichotomie clairement entre l'élection et la fin du mandat. C'est deux choses liées, mais qui sont différentes. Le 2 avril, le président il finit son terme. C'est clair. Il n'y a pas de discussion là-dessus. L'élection peut se tenir avant ou après les deux. Donc, tout dépendra du consensus que le dialogue pourra fixer ou à défaut de consensus que l'arbitre constitutionnel décidera. Monsieur Diallo, Sénégal, Yaram, tout à l'heure vous aurez une question pour la relance. Allez. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. Si l'élection présidentielle se tient au-delà du 2 avril et que vous êtes toujours président de la République, vous avez évoqué tantôt l'article 36 de la Constitution qui dispose entre autres que le président doit rester en exercice en fonction jusqu'à l'arrivée de son successeur. Est-ce que vous allez démissionner ou est-ce que vous allez rester à l'écoute du Conseil constitutionnel et faire ce que la haute juridiction va préconiser? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de dialogue avec les candidats, les 19 candidats. D'accord. Je vous remercie, M. Diallo. Il ne peut y avoir de démission dès lors que je viens jusqu'au terme de ma mission. C'est clair, il n'y a pas de démission. Maintenant, encore une fois, à la fin de cette mission, dès lors que ce que dit la Constitution dans son article 32, deuxième alinéa, 36, deuxième alinéa, ne fait pas l'unanimité, tout le monde n'a pas la même compréhension, moi, je n'ai pas envie. Pour tout ce que j'ai fait pour ce pays, comme effort pour le développement économique et social du Sénégal, ce que j'ai fait comme sacrifice pour mettre notre pays là où il est aujourd'hui, je ne veux pas être l'objet d'une polémique stérile par rapport à des ambitions qui ne sont pas les miennes. Et donc, je considère avoir fini mon travail à la tête du pays à la fin de mon mandat. Il appartient à toutes ces composantes du dialogue et au Conseil constitutionnel en dernier ressort de voir comment ils vont faire la suite du processus. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de vide. On ne peut pas laisser un pays sans président, c'est évident. Donc, attendons ce dialogue et attendons la suite de ce dialogue. La date, elle aurait pu être fixée, mais on ne peut pas la fixer tant qu'on n'a pas quand même les arguments des uns et des autres. Donc, tout est lié et il faut juste patienter. C'est d'ici lundi, mardi, on aura vraiment une idée précise de la date et surtout de ce qui se fera après les deux. Une question sur le report. Oui, moi je pense que c'est suffisamment clair, mais je vous laisse une petite relance. Monsieur le Président, vous aviez pris la décision d'abroger le décret convoquant le corps électoral le 25 février à l'origine des soupçons de corruption. Mais au même moment, vous avez renouvelé votre confiance au président
au Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs le candidat de Benno Bokhyakar, des accusations de corruption. Vous abrogez le décret convoquant le corps électoral, mais vous renouvelez en même temps votre confiance au Premier ministre qui est aussi accusé par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Il y a deux choses dans votre question. Vous dites des accusations. Une accusation ne veut pas dire qu'il y a un coupable. Il faut qu'il y ait la présomption d'innocence. Ensuite, le report n'est pas dû à ces accusations. Le report est dû à la deuxième proposition de loi qui est venue de l'Assemblée nationale pour informer le président de la République qu'une procédure est en cours au Parlement pour décaler la date de l'élection. D'ailleurs, si vous regardez bien les motifs, dans la note de présentation du décret portant abrogation, ce décret s'est appuyé sur la saisine de l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée est la seule qui vote la loi, elle était déjà en procédure pour voter la loi, on devait s'arrêter, puisqu'il y avait l'imminence du démarrage de la campagne électorale. La preuve, la décision du Conseil constitutionnel est intervenue bien après. Nous serions en plein milieu de la campagne électorale et on allait dire aux gens, on ne peut plus aller aux élections, arrêtez votre campagne. Donc, c'est pour éviter ce processus qui démarre sans avoir la certitude de nous mener au scrutin du 25 février que j'ai abrogé le décret convoquant les électeurs pour le 25 février. Alors, donc, la question de la confiance ou de la présomption d'innocence, ça n'a rien à voir avec le décret qui a été pris. Donc ça, c'est un volet politique qu'il faut séparer de cette question institutionnelle. Merci, Président. Mariama Dramé, FPSO. Monsieur le Président, vous parliez tantôt de dialogue. Est-ce qu'on va voir les contours de ces concertations? Qui va y participer? Est-ce que ces acteurs ont donné leurs accords? Oui, le dialogue en premier chef, je vous ai dit, c'est d'abord les acteurs politiques, parce que c'est un dialogue politique, et à travers les acteurs politiques, vous avez les candidats qui ont été dans ce processus, tous les candidats, et les candidats qui en dernier ressort ont été validés, mais également les autres qui sont des candidats, il faut tenir compte aussi de leur avis, ne pas les négliger ni les mépriser. Il y a comme acteurs les partis politiques, la majorité, l'opposition, les non-alignés et aussi la société civile qui est un acteur vivant de la scène politique sénégalaise et les forces vives. Donc, comme nous l'avons fait, c'est pas la première fois qu'on tient un dialogue. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons fini les conclusions d'un dialogue antérieur. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul dialogue qui peut nous permettre de dépasser cette situation. Donc on peut dire aujourd'hui que tous les candidats acceptent de venir dialoguer? Oui, à ma connaissance, oui. Je ne connais pas de candidat qui refuse le dialogue. Il y en a un en prison. Oui. Est-ce que des dispositions sont prises pour qu'ils puissent être libres et participer au dialogue? Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et allons même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon. Le pays a besoin de réconciliation. Le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce que au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit
que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre en tout cas à l'appel du dialogue. Ça montre que là, on va entrer dans la deuxième phase, Alassane. On va retrouver l'orthodoxie quand même des règles du jeu, s'il vous plaît, Alassane. Donc, on aborde la deuxième question liée au dialogue, parce que déjà, chacun d'entre vous l'a abordé. Et je donne la parole à Yaham, c'est ça qu'on avait retenu ensemble. Et après, je vous donne la parole, Alassane. Monsieur le Président, parlant de dialogue, vous avez affirmé, réaffirmé votre volonté d'y aller à nouveau. Et parlant de libération, est-ce qu'on peut penser que ceux qui seront libérés, il ne s'agira que de candidats dans les liens de la détention pour autre chose que des faits politiques, ou bien de potentiels candidats ou des candidats ou d'autres figures politiques qui sont dans les liens de la prévention à ce jour? Vous savez, j'ai toujours dit que j'appelle à un dialogue inclusif. Et je suis convaincu que si nous voulons que notre pays poursuive sa marche vers un développement harmonieux, il lui faut se réconcilier. Quels que soient par ailleurs les délits ou les crimes qui ont poussé les uns ou les autres à répondre devant la justice, à un moment donné, le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation nationale. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. Oui, je vous... Monsieur le Président de la République, est-ce que vous n'êtes pas opposé ou vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane Sonko retrouve la liberté? Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays, je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Au-delà des diversités politiques, des positions politiques ou politiciennes, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu un moment donné, un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend, ça et là, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie, nous devons éviter cela. Préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc, il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour ne regarder que le Sénégal et son avenir, sa stabilité, sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée et que le meilleur gagne parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégalais. Alassane, ministre de Radio. Monsieur le Président, vous avez eu des discussions directes avec Ousmane Sonko ou bien par personne interposée pour parler de dialogue. Avant de parler de dialogue, il y a certainement des médiateurs qui ont dit qu'ils étaient là pour que vous remettiez le fil de dialogue avec M. Ousmane Sonko. Vous savez, dans ma démarche de tout le temps, j'ai mis en avant la discrétion et tout ce qui peut aider à avancer. Il y a eu des personnes qui récemment sont de bonne volonté, je salue leur bonne volonté, ont voulu effectivement travailler à faire le go-between, travailler pour qu'il y ait une réconciliation. Mais ma volonté est antérieure à toutes ces démarches. Elle est antérieure à toutes ces démarches. Et déjà, lorsque je disais, après la prise de position de certains candidats qui n'étaient pas du tout d'accord sur la manière dont leurs parrainages ont été annulés, j'avais déjà indiqué qu'il nous faut aller vers l'ouverture
il nous faut aller vers l'inclusion, il nous faut aller vers la paix. Donc cet apaisement est antérieur à toutes ces démarches. Donc c'est quelque chose de constant et cela devrait permettre des prises de contact qui peuvent être directes, indirectes. Ils ne peuvent être d'ailleurs qu'indirectes parce que cela a permis en tout cas de pousser vers la direction qui est celle que je voulais imprimer, qui est celle du pardon et de la réconciliation. Mariama. Alors, Monsieur le Président, vous avez tantôt parlé d'effacement de faits. Qu'entendez-vous par effacement de faits, ces mesures de grâce ou amnistie? Oui, vous savez, la grâce et l'amnistie sont deux choses différentes, parfois, qui se ressemblent, mais qui sont très différentes. Notre Constitution consacre à son article 47 que le président de la République a le droit de faire grâce. Chaque année, je gracie près de 2000 personnes qui sortent des liens de la prison, de la prévention. Et ça, c'est le droit de grâce. Mais la grâce ne peut être donnée qu'à la fin du processus judiciaire. Il faut que tout le processus judiciaire soit terminé et que la chose soit bien jugée pour que le président prenne grâce et permette à la personne condamnée de sortir de prison, etc. L'amnistie, elle est obtenue par une loi. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'amnistie. Ce n'est pas le président de la République. Le président peut exprimer une volonté, faire un projet de loi qui va à l'Assemblée. Ce sont les députés qui votent l'amnistie. Et l'amnistie ne s'adresse pas aux personnes, même si des personnes en bénéficient. L'amnistie s'adresse aux faits et efface les faits. Pour dire, nous voulons oublier. Nous voulons oublier, c'est pénible, mais il nous faut aller de l'avant. Quand vous voyez les crimes dans la Seconde Guerre mondiale, après plus de 80 millions de morts, il a fallu à un moment donné que les acteurs décident de tourner la page, malgré ce nombre de morts importants, pour se donner la main, travailler dans la collaboration, dans le partenariat, dans la coopération, pour justement construire une paix durable. C'est un peu ce que l'on veut faire ici, créer les conditions d'un apaisement, d'une réconciliation et d'élections transparentes, libres et démocratiques. Et c'est ça qui va permettre d'assurer la suite vers un Sénégal de stabilité et de paix. Donc on peut espérer une liberté provisoire pour Diomaye Faye ou encore Ousmane Sonko? Oui, tout dépend de leurs avocats. Et c'est les procédures judiciaires dans lesquelles je n'interfère pas. Mais il y a des procédures entre les juges d'instruction, les avocats du détenu. Et ça, ils savent très bien comment ça se passe. Le procureur qui est sous votre tutelle? Non, le procureur peut donner un avis, parce que selon les chefs d'accusation, s'il ne donne pas un avis, bien sûr, pour certains chefs d'accusation, le juge d'instruction est lié. Dans ces conditions, si c'est la volonté du président de la République, le procureur pourra donner son accord. D'accord. Monsieur le Président, on a vu aussi une certaine réaction de la communauté internationale, des communiqués quasi journaliers sur la situation politique du pays. Comment vous accueillez, je rappelle, tous qui viennent et qui reviennent? Je l'accueille avec beaucoup de peine, parce que je ne peux pas comprendre que des partenaires qui sont avec le Sénégal, qui en principe travaillent avec nous sur les mêmes principes, lorsqu'il se passe quelque chose dans notre pays, et tous les pays peuvent avoir des difficultés conjoncturelles, ils doivent d'abord venir à la source, voir ce qui se passe exactement, au lieu de se suffire de commentaires qui condamnent de façon péremptoire, parfois de façon très violente, le président de la République, le Sénégal. Ça m'a fait de la peine, parce qu'au Sénégal, jusqu'au moment où je vous parle, une seule loi n'a pas été violée. Personne ne peut dire que le président de la République, en abrogeant le décret, n'était pas dans son droit. Non, le Conseil a dit, ce décret était adossé à une loi qui elle-même est annulée. À partir de ce moment, le Conseil joue son rôle. Donc nous sommes dans le dialogue des institutions. Le Sénégal est un véritable état de droit. L'Assemblée nationale a eu son temps, a joué sa partition. C'est la seule qui doit voter les lois. Elle l'a voté. Le Conseil constitutionnel est le seul juge des lois constitutionnelles. Il a joué sa partition. Le président de la République, en tant que chef de l'exécutif, a pris acte et a décidé de mettre en œuvre les décisions du Conseil. C'est ça l'état de droit.
Donc pourquoi toute cette levée de boucliers, toute cette campagne de presse qui est aux antipodes de ma pratique de démocrate depuis que je suis à la tête du pays? Moi, je suis venu en gagnant des élections. Je viens de l'opposition. C'est moi qui ai proposé la réforme pour fixer définitivement la limitation des mandats et la durée du mandat du président de la République. Quand j'ai été élu, le mandat était de 7 ans. C'est moi qui ai proposé un référendum pour le ramener définitivement à 5 ans renouvelables une fois. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Pourquoi on veut dire et faire dire avec des moyens importants de la presse internationale que le président de la République veut s'agripper au pouvoir? Mais si c'était ma volonté, j'aurais été candidat. C'est tellement plus simple. Je renonce à tout cela. Je construis mon pays avec tous les Sénégalais. Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain. Et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Donc je dénonce ce fait. Donc, Monsieur le Président de la République, au-delà de tout ce que vous venez de dire, en décidant d'arrêter le processus électoral, est-ce qu'on peut dire que vous avez évité le pire pour notre pays, le Sénégal? Je suis convaincu que si nous avions continué en fermant les yeux sur ce qui était en train de se faire, nous pourrions le regretter. Dieu seul sait et l'histoire pourra nous juger par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux actes qui ont été posés. Moi, je l'ai fait au détriment de ma réputation. Je l'ai fait au détriment de ma propre personne. Mais je sais, et c'est pourquoi j'insiste sur l'inclusion, si on ne veut pas d'un processus ouvert, transparent et inclusif, nous pourrons vivre des conséquences qui ne seront pas les meilleures pour notre pays. Maintenant, si la question c'est le président de la République, lui, le 2, il a terminé sa mission. Donc ce n'est plus un sujet. Mais prenons le temps quand même de regarder les problèmes et de décider d'une date qui va être la plus proche possible, parce qu'on ne peut plus attendre très longtemps, la plus proche possible, et que le pays aille vers cette élection de façon apaisée. C'est mon souhait le plus ardent et c'est la seule ambition qui me reste à réaliser à la tête du pays. Alassane. Vous avez parlé tantôt de la date d'ici. Qu'est-ce que cette loi va couvrir? Quelle est la période? La date? La date de l'amnistie, la loi d'amnistie. Quelle est la période que la loi va couvrir et quels sont les faits qui sont concernés? Est-ce que ceux qui avaient été arrêtés pour des actes terroristes seront concernés par l'amnistie? Mais ça, il faut d'abord que le gouvernement valide le projet de loi que j'introduirai. Il y a des acteurs quand même qui doivent d'abord en être informés, qui doivent en discuter, et les députés qui doivent voter cette loi, si elle est proposée. Pour le moment, on en est là. Tout est en branle. J'ai donné les instructions très claires au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le gouvernement y travaille. Le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, et nous allons aussi travailler au plan politique avec les groupes parlementaires. Et après, tout ça peut aller très vite. Pour le moment, on en est là. Lundi prochain va s'ouvrir le dialogue national. Oui. Combien de temps va en prendre le dialogue? 2 mois, 3 mois? Le dialogue, je pense, 2 jours, il doit être fini. Parce que on ne vient pas pour discuter de tout, on vient pour discuter de la date de l'élection. On vient pour discuter de l'après 2 avril. Comment on va faire? C'est tout. Et la date de l'élection dépendra justement des positions à concilier entre ceux qui veulent absolument une élection juste avant le 2, et on verra comment, et ceux qui pensent qu'il faut aller au-delà, mais dans tous les cas, avant le mois de juin, ou en tout cas avant l'hivernage, ça c'est clair. Donc ça, c'est le sujet du dialogue. Donc voilà les sujets. On ne va pas parler d'autre chose. C'est bien campé. Mais il n'est pas question de revoir le processus. Le dialogue, ce sera avec les mêmes candidats. Le dialogue s'en saisira. Ce sera avec les mêmes candidats ou on peut rebattre les cartes, comme on le dit de manière triviale? Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Ce sont les sujets sur lesquels le dialogue national devra donner des indications.
Et s'il n'y a pas d'accord, ben, le Conseil constitutionnel pourra donner un avis. Est-ce qu'il se fera ce dialogue-là avec juste ceux qui ont accepté la décision du Conseil constitutionnel? Mais non, le dialogue, ceux qui ont rejeté la décision. Non, le dialogue concerne tous les acteurs, y compris ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, parce qu'il s'agit de trouver une solution qui permettra à notre pays d'aller aux élections le plus rapidement possible et dans la paix. Donc, tous les acteurs sont concernés. Voilà, donc je pense que nous avons déjà fait plus de 30 minutes. On a abordé la question du 2 avril, fin du mandat officiel du président de la République. Il a clairement exprimé sa position là-dessus. On a également abordé la question du dialogue et la date de la prochaine élection. Si vous n'avez pas une question de relance sur ces sujets, on peut passer au Wolof. J'en ai une. Alors, Son Excellence, on parle beaucoup en ce moment de meilleurs délais. Quelle est, selon vous, l'échéance appropriée pour définir meilleurs délais? C'est le meilleur délai. Le meilleur délai. Le délai le meilleur. C'est ce qui peut être fait. C'est pourquoi je dis, l'urgence est là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut tout faire pour que on ne soit pas dans une incertitude. En fait, c'est ça. Il faut qu'au sortir du dialogue, mardi, qu'on ait une date. Le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça. On peut le dire le plus rapidement possible, le meilleur délai. Bon, donc ça, c'est du français, chacun comprend comme il peut. J'ai juste deux petites relances, monsieur le président. Oui. Il y a certains qui proposent le 3 mars, le premier tour, le 10 mars, le deuxième tour, pour qu'on soit dans les délais du 2 avril. Est-ce que vous serez d'accord avec ces dates? Mais non, je vous ai dit, il ne m'appartient pas au moment où je vous parle de dire l'élection aura lieu le 3 mars, le je ne sais quelle autre date. Lundi, la concertation nationale sera saisie. Les candidats eux-mêmes seront les premiers que je prendrai avant même la concertation nationale. Et puis, nous discuterons de tout cela. S'il y a un consensus, il sera appliqué. Quel qu'il soit, s'il n'y a pas un consensus, eh bien, on décidera aussi d'une date où on référera au Conseil constitutionnel. Une date de relance, est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qui sont soupçonnés d'avoir une double nationalité, qui seraient passés par les mailles du filet, est-ce que ces candidats sont concernés par rapport justement à l'enquête qui sera faite pour voir effectivement, est-ce que ceux qui vont diriger demain le Sénégal sont de nationalité exclusive du Sénégalais? Vous savez, c'est un sujet très sérieux et très important, puisque lorsque la loi dit, la Constitution, dans son article 28, précise que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Dès lors que la Constitution fixe ce dispositif, on doit pouvoir procéder à des contrôles. Il est vrai que c'est pas facile, puisque d'emblée, on peut voir que le monde est constitué de plus de 193 pays ou États, mais je pense qu'on doit pouvoir régler cette question parce qu'il serait catastrophique si, d'ici l'élection, on découvre encore des candidats qui sont des binationaux. Ou alors que ceux qui sont dans ce cas puissent, pour des raisons personnelles, déjà démissionner et éviter au pays encore ce traumatisme. Mais je pense qu'un contrôle devrait quand même être fait pour nous assurer que vraiment les dispositions de la Constitution en ce qui concerne la nationalité exclusive sont vraiment respectées par l'ensemble des candidats. Mais est-ce que cela ne reviendrait pas à remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel qui n'est susceptible d'aucune voie de recours? Non, mais le Conseil vient de prendre une nouvelle disposition parce que quand, après sa décision, il apparaît qu'il y a un candidat qui est binational, le Conseil a... Dès qu'il a reçu la démission de la personne concernée, a fait une décision nouvelle en fixant à nouveau. Donc, s'il y a des choses nouvelles qui vont perturber et entacher la sincérité du scrutin parce qu'une disposition majeure aura été violée, je pense qu'il sera dans son devoir d'aviser et de prendre des décisions. Si vous tombez d'accord avec l'opposition sur la date, le 2 avril, comme vous l'avez dit tantôt au début d'émission. Le dialogue. Le dialogue. C'est là-bas que vous arrêtez votre mandat, ça sera le 2 avril. Si vous partez du Sénégal, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le président?
Mais ça, c'est devant nous. Pour le moment, le plus urgent, c'est d'aider le Sénégal à aller aux élections. J'ai déjà largement communiqué sur ce que je compte faire. J'ai déjà créé ma fondation, elle est faite, j'ai pris des dispositions de cet été. Je vais m'occuper utilement. Donc ça, je pense que... Oui, peut-être, oui. Parce que j'aime bien le Maroc. Très bien. Avant juste de passer une toute dernière. Pour boucler le volet français. Alors, Monsieur le Président, au regard de tout ce que vous avez dit, on note votre volonté clairement de créer une condition de stabilité sociale, politique, mais également de paix. Avant de passer à la version Wolof, quel est votre message pour les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, mais aussi de la communauté internationale, quand on sait que vous êtes un acteur clé du multilatéralisme? Oui, je voudrais d'abord, encore une fois, rendre hommage au peuple sénégalais qui m'a fait confiance, qui m'a permis, en 12 ans, d'apporter ma contribution dans la construction nationale. Ça m'a permis d'imprimer cette démarche de développement endogène, harmonieux, inclusif. Le plan Sénégal émergent a été mis en place. Il a eu des résultats tangibles. Nous pourrons avoir, après cette période de troubles, plus de temps pour constater quand même ce qui a été très positif, ce qui l'a été moins, ce qu'il faut améliorer. Et il faut que celui ou celle qui viendra puisse prendre le relais et continuer la marche du pays. Les Sénégalais, je sais qu'ils aiment leur pays, il faut qu'ils fassent tout pour le préserver. Parce que la paix, lorsqu'on la perd, ce n'est pas seulement une question de 5 ans ou de 10 ans. C'est perdu pour très longtemps. Or, ce qui fait notre richesse, c'est d'abord la paix au Sénégal. Et c'est la concorde. Donc, quelles que soient aujourd'hui les vicissitudes et les débats ambiants, il faut savoir raison garder et ne pas trop déborder pour que nous puissions aller dans la paix et la stabilité aux élections et que le meilleur gagne. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus ardent. À nos partenaires du Sénégal, je voudrais encore une fois d'abord les remercier pour l'accompagnement puisque j'ai bénéficié pendant ces 12 dernières années, de leur amitié, de leur coopération, de leur soutien et de leur support. C'est ce qui nous a permis de construire ce qu'on a construit. Sans les facilités, la dette et tout ce qui a été mis en œuvre, y compris les dons parfois, nous n'aurions jamais été à ce niveau de développement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'emploi pour les jeunes et autres. Donc je remercie la communauté internationale. Tout à l'heure, j'ai fait une critique, c'est sur la campagne médiatique. Je fais bien la différence entre le partenariat avec les États, tous les États qui travaillent avec le Sénégal. Je les remercie à travers cette émission et je pense qu'ils continueront à donner la même attention au Sénégal. Et j'ai souhaité, d'ailleurs, lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, que mon successeur soit accompagné de la même façon par la communauté internationale. Donc, pour le reste, le Sénégal devra continuer sa marche dans la démocratie, la stabilité et la concorde. Merci, merci, Excellence, Président de la République. Je pense que le message est très clair et on a pu poser toutes les questions. Et même si Alassane, à un moment, a brisé les règles du jeu sont à respecter. Une toute dernière. Monsieur le Président. Si le Président le permet. Avec vos permissions, Monsieur le Président. Je n'ai pas le choix. Vous avez choisi Monsieur Amadou Ba comme candidat de Benna Bokhiaka. Comme candidat. Nous sommes de vraiment. Mais la question politique, c'est comme Alassane. Je ne sais pas. Parce que l'heure est grave. Oui, bien sûr. L'heure est très grave. Le pays fait face à une situation inédite. Pour le moment, nous parlons de l'élection. Absolument. Dans un autre cadre, je pourrais vous répondre abondamment sur mon candidat, sur la coalition, sur le volet politique. Là, nous parlons d'un sujet essentiel, la date de l'élection, absolument, comment on y va, et l'après 2 avril. C'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Pour nous, pour la majorité, pour l'opposition, pour le peuple. Donc, nous pouvons vraiment, sur ce plan, nous être arrêtés à ce qu'on a convenu, et puis venir en langue wolof. Merci, voilà, Excellence, merci. Continuez le débat. Merci beaucoup, merci pour cette disponibilité et cette ouverture. Je pense qu'on a abordé toutes les questions et le moment est important. Effectivement, je pense que les Sénégalais s'attendent à ce type d'éclairage plutôt qu'à un débat politique. Tout à fait d'accord avec son Excellence.